Mesdames et Messieurs, coup nouvelle qui a fait la une de l'actualité. Nan mouman n'a parlé là, Guy Philippe débarqué dans la capitale là. Guy Philippe bail Gary Koni yon surprise. Eh bien, rete là, nous gagnons tout détail. Nous allons attendre ancien chef rebelle là qui a participé dans yon émission en dans Port-au-Prince. Eh bien, rete là, nous gagnons tout détail. Eh bien, Guy Philippe sermenté cette fois-ci révolution par libérer pays d'Haïti et ceci. Et nèg Port-au-Prince met sous té pompé et bien révolution a privé sou yo en grand moun garçon. Et bien pas oublier rete là nous gen tout détail yo, mais toujours dit nous ça côté information yé, nous toujours prêt pour nous porter le baou. Nous pas parler en pile, bam invité nous tande l'idée 2004 là Guy Philippe l'idée peuple haïtien hein? Et le sauveur du peuple haïtien Guy Philippe malgré grand pile nèg ka fan pile parler en pile et yo compte Guy Philippe et bien Guy Philippe prouvé qui lycée leader, eh bien, nous pourrons tenter et comment leader parler. Entendez ça, Napton. Sénateur Guy Philippe, et certainement, ou a milité depuis longtemps pour permettre que bagaille change dans le pays. Et je dis, par rapport avec la situation que nous vivons là, ou c'est peut-être yon moun qui souvent prononcé sur sa capacité de pays. Mais juste avant que nous rentrions dans les détails. Qui Jean ou même, en tant que tel, après environ 9 ans, que vous faites en dehors de pays, à nous tout compte qui s'est arrivé, qui je comprenne ce qu'a fait le pays aujourd'hui? Bon, moi je pense que c'est un bagaille qui a fait à dessein, et c'est des forces que nous ne pouvons pas contrôler, que peut-être je dis à nous identifier, et, mais que nous ne pouvons pas contrôler, qui a joué le pays au mauvais tour. Situation vraiment difficile diplomatique par rapport avec questions et communication. Oui. En avance non et mon yo attend oui là. Donc moi dis que projet et que ça son projet construit que des forces que nous pas contrôler que nous identifier aujourd'hui qui qu'est le pays à l'état que il y a là mais moi c'est que avec conviction détermination n'a pas arrivé changer et ça n'est pas voulu bon nous comme Haïti donc c'est ça me t'a dit d'accord avant que faut haïtien prend conscience faut nous camper pour pays nous et si nous camper pour pays nous vraiment vrai n'a pas changer bagaille gens là jodia. Et l'on retourne dans le pays, ou c'était peut-être une monde qui t'a prôné la révolution. Et on va parler de révolution, yon manque comprendre révolution qui s'allie. Ou même, qui te vit de cap cléoné, révolution dans l'oreille population. Pour moun yon capable comprendre pi bien démarche ça, côté que ou vle aller, est-ce que révolution son bagay, nous sommes capables de faire dans l'immédiat côté ou prononcer l'un, ou bien les gagnants ont marche à suivre. Nous-mêmes, nous avons en révolution. Mais pour nous faire révolution, pour nous réel, pour le changement que nous promettons, faut que révolution, force populaire, prenne le pouvoir. Jusqu'à présent, c'est une démarche pour nous arriver sur le pouvoir et pour nous établir et tout ça, révolution pour nous faire une réalité, c'est tout ça notre travail là. Donc oui, me demande une révolution parce que c'est pas et on se crée pour aucun monde que dans l'état il y a là nous pas une institution dans pays à cap marché. Souveraineté ne va pas parler de ça encore. Nous avons l'état, je dis à la garde exemple, l'un des commencé, l'autre commencé avec Ariel Henry. Je dis à nous gain 9 nègres et yo kembe 3 là-dedans, non cas de corruption grave. Et en pile l'autre là-dedans, gain l'autre problème avec la justice et avec question fou et main dans sac pas pour yo, dans question l'argent l'état. Malgré tout international là qui est posé surtout ambassade américaine qui est posé 9 membres à yo camper yo dit que c'est ça pour Haïti c'est ça qui semblait avec Haïti et c'est dans route ça Haïti doit aller nous tendez ça qui passe par exemple pont sondé côté plus que 100 monde mort nous comment y a maltraité haïtien yo Saint-Domingue Chili Brésil tout à tout
Donc c'est peut-être ça. Le toute institution crasée. Leur population, plus que un haïtien sous deux, plus qu'un haïtien sous deux, 5 400 000 haïtiens, selon les Nations Unies, a mouru grand bout chaque jour. Leur arrivée dans le pays, dans plein 21e siècle, pour que plus gros problème au peuple, plus gros problème au monde élevé, c'est qui ça va le manger. Côté le bras d'homme. Donc, ils ont réduit nos stades pour nous vivre dans le bête, pour nous penser dans le bête, vendre nous seulement cap menem. Donc là, tout bagay que nous avons là, expliqué grandement, pour qui ça? C'est seul en révolution. En révolution, c'est un changement radical dans la structure de l'État, dans le bagay que j'ai fait. Donc, nous étions quoi? Je dis encore que révolution, c'est le seul chemin qui a mené Haïti côté peuple à tant que l'hier. Chaque fois que vous prononcez au sous question révolution, dans l'opinion publique, et un pile de monde a questionné Tétio, Guy Philippe particulièrement a parlé de révolution. Mais avec peuple ça, qui pratiquement endormi, qui acceptait tout ça qui a privé lui, est-ce que tout bon vrai, dans ça que vous gagnez comme compétence, dans ça fait comme recherche, ou web peuple ça voulait aller vers la révolution que Guy Philippe avec force révolutionnaire de tête nationale a prôné. Le map garde peuple là tout partout la diaspora. Le map garde là souterrain que soit Tigouave, Wanamet, Miragouane, Okai, Jérémy, tout partout, Gonaïve, tout côté belle qui t'a campé dans pays pour mandon changement. Oui, moi c'est que peuple là veut changement. Malgré misère, malgré dans ça oui là. Yo vle changement. C'est vrai que parfois yo on ti jan peur. Répression que force la police là a fait sur yo chaque fois que yo vle manifester. Mais moi pense que oui avec peuple ça. Jean li a la révolution possible, peuple la vle et la fait quand même. Pas qui moyen parce que ça est très important pour nous parce que faut nous connait côté que nous braler et chaque jour n'a prenez même bagaille yo mais faut nous connait qui côté que nous braler. Est-ce que et Guy Philippe avec équipe li gagne yon méthode facile que tout moun capable rejoindre yo nan bataille la puisque ces derniers temps haïtien plein en pile yo dit chaque fois yo gagne de moun nan politique qui mené au nom bataille yo pral fait bataille la bataille a réussi et puis c'est eux même qui continue à vivre dans misère. Moi comprendre et peuple là moi comprendre moun yo 86 en pile moun bataille et puis système nan récupéré 2004, même genre, avec Ariel Henry dernièrement là, ça passait encore. Donc, moi, je dis, monsieur, moi, je connais, nous, on fait un système qui organise tout le temps pour récupérer le pouvoir là. Et moi, je vais donner deux exemples. En 2004, bataille arrivée, corruption, pays, mauvaise élection, tout désordre, équipe capement me demande des changements pour le pouvoir. Mais immédiatement après, même monde, secteur qui était dans la bataille, ensemble avec l'équipe vraiment qui était dans le changement réel. C'est au même encore qu'à l'ambassade américaine qui signe un accord tripartite et qui remet le pouvoir à blanc. C'est ça qui passe en 2004, par exemple, qui fait que toute promesse qui était faite, you n'a pas atterri parce que bon groupe de mercenaires, qui a un groupe 54 là-dedans, qui a un ensemble de partis politiques là-dedans, négocier les gros et partis opposition, qui a un groupe étudiant, feu et puis Grafné qui était là-dedans, trois canettes ça, yo, yo viré d'eau, yo bail tout bagaille qui était planifié dans la rencontre qui a fait en République Dominicaine. Une fois que Aristide finale, ou après que le 1er mars, dans la rencontre que nous avons fait dans l'hôtel El Rancho, pour nous établir le pouvoir, pour nous dire, OK, mais ça nous dépromet, mais qui j'en balvel, pour que nous levé qui des réunions. Des réunions, tu as un Béki à la dalle, tu as un Kaplin à la dalle, tu as un Diapet à la dalle, tu as un représentant étudiant, Himmler et le colonel Rébuté là, pour que nous levé à aller. Et il y a l'ambassade américaine, toi qui as la dalle, il y a le signé un accord tripartite. Côté, il y a le Gérald Latortu, nous avons côté le sorti comme premier ministre. Et puis, ils prennent le pouvoir, ils prennent exonération pour 3 ans, et ils font Haïti, ils mettent blanc, ils mettent le système dans le pouvoir. Le système a une capacité pour récupérer la bataille peuple là qui est étonnant. Il faut reconnaître ça. Ou après, Ariel Henry, nous commençons le mouvement, tout côté, peuple a campé, rep, diaspora a campé. Mais le blanc, ouais, avec le système là, ouais, que n'y a pas à aucun côté encore avec Ariel Henry. Il y a même encore, il y a pas Ariel Henry de leur pays. Il y a fait que c'est tiré, c'est des boyers potes, en attendant. Si blanc te vle Ariel Henry vini, si système n'était qu'on Ariel Henry te cap continue, et yon pas trouvé yon en danger, yon tap fèl rivier Saint-Domingue, yon tap pon hélicoptère militaire, yon tap pon lakali, nan bureau, et yon tap bal sécurité. Système nan li même li ouè, c'est un jeu pour le récupérer pouvoir encore,
pour craser mouvement peuple là, nous faisons. Et aux jeunes des Haïtiens qui a ces volets, pour nous dire moi Jean Oyé, qui a ces apatrides qui pour vendre pays encore une fois et qui viennent bailler CARICOM aux États-Unis chance puis viennent imposer nous conseil neuf même ça, premier ministre Kony, ou équipe moun qui va comprendre rien en réalité pays là et je dis à maintenant qui pays que ni là nous remettons. Donc c'est comme ça système là toujours organisé pour le pouvoir et moi-même moi victime plusieurs fois. Moi-même personnellement victime. Moi victime en 2004. Je prends exil, je prends prison, je passe misère, je fais tout le bagaille. Moi, là encore, nous victimes. Je fais 7 nègres qui viennent chercher avec et pour bombe sécurité, assassiner tout. Et je dis à l'autre là-dedans qui est en prison. Donc, moi-même, je suis une grosse victime. Mais je dis que ce n'est pas parce que nous victimes. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Pour ne pas continuer jusqu'à ce que nous joignions Haïti que nous réveillons. Donc, nous avons continué cette force-là. Cette détermination seulement qui est bonne. Et ça, nous avons cherché contre. Système ça, et cette fois-ci, nous prêts. Je dis à tout système nous réunis ensemble. Corrompu, nous réunions ensemble dans CPT. C'est ça qu'il faut que malgré tout le problème de la corruption, il n'y a pas qu'à révoquer les gens parce que tout mêlé là-dedans, tout dans la corruption. Sous révoquer ça, la dénonce. Et international lui-même, qui c'est papa jouet là, qui est marionnette, qui a tiré ficelle, lui-même, le pire, il laisse les nègres qui sont dans le pouvoir. Parce que les nègres qui sont dans le pouvoir, ils ont fait ça, ils ont fait. Mais ma petite population, c'est pas parce que deux, trois fois nous qui frappé une fois pour ne pas continuer. Si après Macandal qui nous frappé, si après Boukman qui nous mourit, si après déportation Toussaint, des salines de croisé pour aller dire nous ne pas aucun côté, nous ne pas côté ni à la bien indépendance. Donc bataille là parfois elle prend un petit temps. Bataille là contre plusieurs étapes. Et je dis à m'espérer que cette dernière fois d'appel, ils ont fait inviter la population pour nous continuer, pour nous mobiliser et pour nous demander changement, pour nous réclamer changement. Pour nous manifester pacifiquement. Et en même temps, moi dis qu'il faut que nous avons une cellule de sécurité tout partout. Il faut que les citoyens honnêtes, les policiers honnêtes, les militaires honnêtes, les BSAP honnêtes, les gens honnêtes, organisés en système de sécurité pour permettre que l'un prenne la rue, hein, si nous ne faisons pas des ordres, si nous ne faisons pas craser, briser, pour la police ne vienne pas attaquer nous comme si c'est de vulgaires assassins. Pendant qu'ils attaquent nous, par exemple, ma photo, j'ai un système qui a fonctionné, il n'y a pas attaqué les gens qui veulent faire de manière pacifique. Mais pendant ce temps, ou après que tabac, mes problèmes. Population a demandé aide, il va jouer. Solino, peuple a demandé aide, il va jouer. Car vous faites n'importe où partout dans le pays, capital là, dans le monde, avec ZAM, et il y a paniqué, et policiers n'ont pas aucun côté. La Tibonite, plus que 60 mouvements par la police. Mais content de pacifique, le peuple a voulu manifester, c'est là qu'il y a une capacité de police. C'est là encore pour nous que si les policiers ont été si la police comme si j'étais voulu, bah, il y a sécurité, il y a sécurité. Nous n'avons pas besoin de Kenya, ou bien faire, mais mascarade qui a fait là. C'est volonté politique qui va gagner. Ce système-là toujours organisé pour qu'il y ait un chaos, une instabilité, une misère, ça, pour qu'il y ait continuer à piller toutes ces richesses qui sont en bas sous sol et mener Haïti et côté à venir. Donc, on ne va pas décourager, même les grands frappes, on continue et on arrive. Sénateur Guy Philippe, nous sommes tous avec un peu d'attention, surtout au fond de rappel sous bataille que. Nous avons mené dans l'année 2003-2004 pour nous être capables vraiment de chavirer l'ancien président Aristide. Sénateur Guy Philippe, jusqu'à présent, il y a un pile monde dans la population. Après la bataille ça, en 2004, qui toujours quitté avec un tag, que Guy Philippe vient lancer bataille a réussi et puis nous avons cherché le nom par le côté le passé. Et là, on souhaite expliquer clairement que le nèg qui était ensemble avec ou non réunion, nèg levé, yo quitté réunion, yo allez est-ce que je dis ou pas peur encore pour pas trouver dans même situation ça côté mais non bataille. Et puis après ça, même système moi parler là, j'ont dit là système n'a toujours fait en sorte que le capable contrôler bataille peuple là et puis pour le prendre le poli. Ou pas peur pour ça pas reproduire encore l'autre fois. C'est ça que après je dis à nous même nous dit peuple nous c'est seul allié. On pas gain l'autre allié. Guy Philippe pas gain allié, seul peuple haïtien galien. Ça veut dire au monde nous qui doit faire ensemble mais le jour qu'on fond coupe contre peuple local pour contre. N'a assuré que aucun monde va pas venir peuple là dans tout ça. Donc c'est ça que fait moi-même je dis à me confident, j'ai en pile confiance que oui, cette fois-ci délinquance ça, machin pays ça, traite de l'intérieur ça, yo pas capable continuer craser Haïti. Révolution a privé, changement a privé. Nous justement des monde pour quoi? Ouais, et après changement.
Mesdames, messieurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes radio, Télégénère, rappelez nous bien avec nous dans l'émission Décaté jeudi, coordonnateur national, force révolutionnaire d'attente nationale, ancien sénateur élu département Galassan, Guy Philippe, malheureusement, qui n'a pas fait Madali. Et moi, je pose une question, sénateur. Jeudi, le pays a baigné dans l'insécurité généralisée. Gè de côté de mon ami, mais si nous gagnons, Guy Philippe, par exemple, on est par rapport à la compétence li, qui était passé dans l'armée, qui était dans la police, li kon ki sa bataille la pour mettre sécurité, mais lui-même, li pa collaborer avec l'équipe qui l'a pour mettre sécurité. Est-ce qu'on est capable de répondre à mon ami? Premièrement, Mabdou, l'équipe qui l'a, il n'y a pas de demander pour collaborer, parce que le patron n'est pas bien d'accord. Blanc n'est pas d'accord. Blanc par exemple, vous êtes d'accord, on est d'accord pour responsable question sécurité dans le pays d'Haïti. Haïti blanc lui-même livré pour la faire toutes des autres zayo, pour la fouiller, la voler les bagages dans le sous-sol, pour le contrôler tout ce qui est sécurité pays. L'élever la gaine dans l'instabilité pour la gaine, l'élever la gaine dans le chaos pour la gaine. Donc blanc, équipe ça, au système, il n'y a pas besoin de monde tant qu'on pour aider, m'a toujours dit, ça m'a dit, le monde qui a comme dit, nous cap bayo et consultation. Parce que le problème, nous ne pouvons pas garder seulement le problème et délinquant à sa patio. Il faut garder le délinquant à cravate. C'est le délinquant à cravate. C'est la conséquence ça, le délinquant à cravate a fait. Qui fait que le délinquant à sa patte aujourd'hui, là, a fait ça et a fait. Donc, nous-mêmes, comme société, nous avons une responsabilité. Nous. Dans ce cas privé, là, insécurité, on va parler là, nous ne pouvons pas prendre son seul aspect, soit dans la rue. Il faut avoir insécurité sociale. Il faut avoir que pendant plus que 30 ans, tout l'argent qui est rentré, tout le gros déboursement fait pour Haïti, tout le prix nous prend, c'est 10-15 nègres qui volent tout le problème. L'hôpital va fait, l'école va fait, l'université va fait, nous pas aider mon. Et ça blé nous un petit problème et technique par rapport à question communication et tout bagarre en forme équipe technique là avancé. Et nous on petit souci technique pour pas l'école, ou pas problème internet là, pas bon site. Sénateur en avancé. Allô. Parce alors, que nous t'as faute scolaire là aussi. Le problème dans la vie aujourd'hui, il faut garder l'aspect social, problème social. L'État qui, l'on a payé que premier gang, premier bandit, c'est l'État, son problème. Parce que là, l'État va faire l'école pour tout le monde aller. C'est gang, c'est bandit, l'État ça. Malgré que la loi dit instruction primaire obligatoire. Et l'État va faire aucun moyen pour tout le monde qui est là à l'école, à l'école. Et là, deux, trois à l'école, il n'y a pas même bien libre, il n'y a pas manger. Misère totale, tout partout. Parents, même gens, papa, même gens, maman, même gens. Donc, l'offre est pour nous vulnérables comme ça. Là, nous n'avons pas aucun espoir. Et même là, à l'école, là, il y a une classe, c'est les motos qui sont obligés à conduire ou bien retourner sur notre parent. Donc, l'offre pour société, l'offre pour équipe jeune, pour craser tout espoir, pour qu'on soit dans la misère, même là, on fait effort. Ou bien faire vulnérable tellement que l'on bandit à cravate, il y a un exam, il y a un exam, il prend un exam, pour me dire bon, qui ça a été pour le perdu? C'est ça qui est là dans la zone défavorisée. L'État pas de jambes là pour nous. L'État nous te ferme pour sur yo. Et je dis, yo révolté. Et c'est même l'État encore, même ambassadeur qui a amé yo. Moi, je ne pas là. Tout le monde connaît pas là. Donc, ce n'est pas moi qui vais bandit. Je ne vais pas parler comme ça. Ce n'est pas que je suis pour bandit et à sa patte. Mais nous ne pouvons pas juger à sa patte si nous ne pas condamner à cravate. Parce que nous avons retourné dans le même SQA, dans le même problème. Nous sommes commandant la police. Nous avons l'armée rouge. Qui t'a pas problème, nous va résoudre problème non? Oui, comme policier, nous résoudre problème non? Mais est-ce que je dis à problème non pas plus raide? C'est parce que problème non, accompagnement social pour te faire, pour l'État te faire. Nous pas faire. Nous baignons en corruption trop. Nous volons toutes coopératives. Nous vendons tout ça l'État te gagne. Téléco, minoterie, cimenterie d'Haïti, Enaol, tout bagage nous gagne pour tes produits. Nous fermons d'urine crasée net qu'on y a. Tout bagage c'est importé. Nous volons comme Petro-Caribéa, impunément. Nous volons comme reconstruction et pays après tremblement de terre, impunément. Des milliards de dollars. Et puis nous pensons que ce n'est pas ça que tu as bien. C'est ça l'État. Insécurité, il faut que nous craser, il faut que nous neutraliser. Délinquant à sa patio, ça va gagner menti là-dedans, il faut que nous neutralisions de façon, mais délinquant à cravate, il faut que nous assurions nous pas jamais nuit l'État encore. Parce que c'est eux qui ont crasé l'État, c'est eux qui ont utilisé ces messieurs et ces mesdames de l'Abzal. Même pas ce que nous avons plan pour nous sortir dans la sécurité. Si vous voulez, nous avons plan. Et puis il y a qu'à joindre route, nous avons une sécurité, stabilité, dans moins que 90 jours, si c'est le monde qui est capable de prendre des décisions.
Sénateur Guy Philippe, je vais poser une question. C'est sûr que vous avez une réponse à la question aujourd'hui à son antenne radio de Guinée et tout le monde a été pays et tout le monde a été adopté. Il y a compris bien l'approche que vous voulez faire. Donc, ce que j'ai dit, le sénateur Guy Philippe Palel parlait de une question amnistie pour monsieur qui avait Zamio pour groupe Arméo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Essayez. Et développer plus ce que vous avez dit et pour que nous soyons capables de comprendre l'autre parler de questions amnistie, qui ça le dit? Je dis encore, moi, quoi? Pas amnistie, je dis des gangs à sa patte ou gangs à cravate. L'un des amnistie, je ne pas spécifier pour me dire seulement pour gangs à sa patte. Moi, je dis pas bon amnistie qui baille. Pendant que tout le monde a focalisé, focus sur son question, oui, Guy Dilwal, monsieur, et vivre ensemble, et amnistie, c'est même des gueux. Non, je ne dis pas que je vais monsieur vivre ensemble seulement amnistie. Moi, je dis qu'il faut qu'on ait une amnistie, parce que nous-mêmes, comme monde haïtien, nous coupables et nous responsables dans ça qui fait là. Bon, m'expliquer. Le village de Dieu fait ça, le fait avec Nex Swatio, Matisse a commencé à avoir des problèmes. Nous-mêmes, société, nous ne pas croiser bras nous. Tout cas pour tomber. Pour nous aller croiser, bon, grand est pas qu'à rentrer, sud est pas qu'à rentrer, sud pas qu'à rentrer, ni pas qu'à rentrer. Ça nous fait, nous prenons un avion et nous mettons pour nous, qui prend nous pour Port-au-Prince, qui la gagne Miragouane ou bien Tigouave. Nous faisons gens contourner les problèmes, au lieu de chercher une solution pour les problèmes. Qui fait que le problème vient gangrener pour nous là, il vient difficile. Pour nous, nous ne sommes pas capables de venir, nous ne sommes pas capables de venir, tout partout. Le premier ministre nous promet que nous prenons quartier par quartier, oui, bah, je dis à qui ça passe. C'est l'inverse. Donc nous-mêmes comme société, nous-mêmes comme monde, qui ça nous déjà dit les problèmes ça va fait. Est-ce que nous débat pression à l'État, j'aime d'abord là. Amnistie son bagage qui peut avoir plusieurs étapes là-dedans. La bien commission justice, la bien commission vérité. Mais tout ça attendez, tout problème la commission vérité à opérer. Abgon commission vérité. En attendant, monsieur, des nègres qui tuent monde, qui kidnappent monde. Pour bailler au amnistie, faut que vienne devant pour dire oui, nous fait ça. Mais pour raison de faire, il a jamais de prendre un mec qui côté d'aller, mais qui bon, tout quoi bien fait. Mais pour qui ça me défait? Le soir, ou même comme l'État, ou une bonne sac t'as passé là, et vous dites, ok, si t'as pris 10 ans, m'a bon 5 ans. Et après, m'a fait un bagage, un programme de réinsertion, pour vous. Et pour ça, tout petit quelque part, ou dit, ok, n'a pas pensé à vous. Mais à me dire ça, libre tout pour monsieur assassiner le président Jovenel. Nous prenons le président dans le pays, nous assassinons le chien. Nous traînons dans la boue. Nous faisons mercenaires rentrer dans le pays, écraser. Après tout nèg qui coupable, nous prenons une voie aux États-Unis. Tout le monde qui signe pour voir nèg ça aux États-Unis, à juger aux États-Unis, ils ont tout, d'après moi, c'est notre tuer président Jovenel. Parce que c'est pas mal, pour nous dire que c'est dire, population dire, tout le président nous, et nous prenons le président nous, madame le président nous prenons tout le monde qui a été arrêté, tout le monde, nous voyons aux États-Unis pour agir. Qui justice? Qui l'a fait pas ici à Jamboun? Qui s'est passé avec le président Jovenel? Mais nous disons, ou même tout, souvent l'Orchita, ou bien la vérité, nous avons une amnistie. Ou même qui voit les coopératives. Ou cap une amnistie. Nous parlé, ou avons dit, puis on voit les coblas, qu'est-ce que fait. Ou même qui crase l'armée d'Haïti illégalement, qui sont ici sur l'État, ou violent les constitutions. Ou cap une amnistie pour expliquer qui pression internationale qui est sous dos. Expliquer, disons parole, pour peuple attendre, pour pays attendre, pour nous comprendre, pour nous pas refaire bagaille, nous faire, Petro-Caribe, tout comme yo là. Yo c'est domaine, yo États-Unis, yo nan gros château, nan yo acheté. La commission vérité, ya, moun la met public, dénoncé yo, quand nous mener devant la justice, peuple là, pour yo dire, côté comme la fait. Qui ça va faire comme la? Et si comme la nan banque c'est domaine, yon a gros kaïn acheté c'est domaine, ou États-Unis, ou en France, pour nous remettre pays à Kobli, et là ça, paie nous, après du, ou même qui vont les cobres construction Haïti, ya. Ensemble avec gros famille États-Unis. Ou même tout amnistie à Bobo. Donc amnistie, commission justice, commission sécurité et bagaille pour réinsérer moun yo dans la société, c'est important pour nous jouer une cohésion nationale. Là. Et l'Emvinavel, c'est pas l'Emvinavel seulement. Vous pensez, Mandela était content, et même nèg, 4 ans en prison, l'élevé pour sauver l'Afrique du Sud, l'oblige à faire une amnistie, l'oblige à ouvrir le bras. Ou pensez, et par exemple, roi Henri IV en France était content. Les obligés et protestants catholiques ont amnistie, les gens qui ont des milliers de gens qui mourent et ont pas qu'à être. Mais l'obligé pour sauver la cohésion nationale, pour sauver le pays, pour sauver la souveraineté et la France. Donc, c'est pas un premier pour accueillir avec la question amnistie. La République dominicaine, la jeune route, c'est Don Antonio Guzman. Il va dans le crasse, il va la guerre, il va tuer tel monde, il va faire assassinat. Il dit qu'il a fait Boron, il va.
Il fait dans un pile d'autres pays, États-Unis fait avec Jimmy Carter. Et dernièrement, là, il se fait aux États-Unis encore, ni dans New York, ni dans Californie. Côté, il y a amnistié, une série de monde, une série de bandits. Pour y'a qu'à jouer la paix. Donc, pour y'a pas appelé nous-mêmes en Haïti que nous jouons la paix. Faut que nous jouons la paix. Et pour nous jouons la paix, faut que nous chitons à parler. Et pas, et amnistie, pas n'a pas dit impunité. Au fond, Zach, il y a qu'on est qui a fait. Ou a dit société à mes sortes, mais qui mal ou fait. Et ou a dit regret, ou pas fait encore. Et comme vous aidez l'État lui-même pour résoudre le problème de façon définitive, l'État qui a bon amnistie. Si vous avez tout qui font des bagages exceptionnels, qui te fait payer un pile mal, et je dis à quoi conscience, et vient faire payer un paquet de bien, l'État qui a bon amnistie. Donc c'est comme ça, amnistie, il faut qu'on prenne la vérité, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait sécurité, il faut que nous remettre les gens qui perdent, il y a des gens qui perdent du caillou, il y a papa qui perdent petit, il y a des gens et nos machines, il y a des gens qui ont déplacé pendant combien de temps. Pour l'État dédommager Mouza. Donc c'est ça qui plan amnistie que n'a pas l'air. C'est pas impunité. Loin de là. Non, situation est pareille, sénateur Guy Philippe. On pas penser. Conseil de problèmes qui souvent posés dans le pays. Et chaque fois qu'on essaie d'aborder, non pas capable. Est-ce que la justice là, même tout, quelque part, c'est pas parce qu'elle pas joué rôle normalement gel de gel qui fait guerre de problèmes là arrivé. C'est jodi en peut-être dans une bataille pour changer pays là et puis on regarder qui ça ne ca fait pour pas reproduire encore. Moi c'est que le plan c'est déstabiliser toute institution pays là et la justice comme institution pays là tout déstabiliser. Nous pas gain et ça a été le tribunal constitutionnel qui fait l'on est conseil de gros problèmes. Conseil de désordre ambassadeur en Haïti. Ou pas jamais nous avons pour l'État, attention, ou même chef de l'État, soit fait à l'inconstitutionnel ou pas capable. Quand là, nous avons tout, parce que nous c'est un coup de cassation, gros bagaille ça, yo. Tout ça, système n'en fait, ou après que le juge nous a accepté. Blanc, inconstitutionnellement, sont imposés en bagaille 9 membres. Même au cas là, toi, magistrat, va fonctionner. Quand il y a un jour, il faut que nous ayons 9 présidents. Non seulement, coup, ça a coûté nous, comme 6 pays, qui va gagner un pile comme, pour nous, Québec, ça, et bah, l'argent chaque mois. Mais on dit que c'est 9 nègres qui vont prendre décision pour payer. Et les nègres justiciers, qui ça vous fait? Yoshita, Yobadouavo, c'est Blandil, c'est Caricom. Toutes les institutions, ce n'est pas seulement la justice. Donc c'est ça qui fait son révolution, nous besoin. Pour révolution, rebattre 4 la fois, 4 la rebattre net. Sinon, si nous continuons à essayer d'améliorer sous ça, sous base, pour que nous avons toujours tombé dans le problème. Je dis à un paquet de système dans jouer dans tête nous question Lavalas, PHTK, GNB, Makout, nous pas cap peuple pour nous yon raï l'autre. Nous pas cap peuple pour nous yon à bataille avec l'autre. Nous yon fait l'autre mal. Je bagaille moi fait comme GNB Lavalas pas aimer. Je bagaille Lavalas fait comme Lavalas moi même pas aimer ou bien PHTK fait que me pas aimer ou bien l'autre fait que nous toute bonne raison pour nous pas d'accord avec son l'autre fait. Mais l'autre bien gardé. Là l'école arrivé. Si mon Lavalas là, si mon PHTK il y a tout le même problème. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de manger. Parents qui pour une pour l'autre et parti politique, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de madame manger, il n'y a pas de vivre à l'école, il y a une insécurité, il n'y a pas de vaquer à l'occupation. Donc, nous, tous citoyens, nous subi même bagaille. Pour ça, nous ne pouvons pas entendre nous et nous avons occupé gros messieurs qui finissent dévaliser le pays. Ils ont même entendu, parce que nous mettons des soirs à là. Ils ont tout de faire le gouvernement. Au moment où ils ont pas faire un dialogue avec l'autre parti, ils ont entendu chaque séparé pouvoir. Et ça va de là, depuis sous Aristide, Préval, Matéli, et président Jovenel. Ils ont tout fait, lui, Ariel, tout fait. Donc, où est en fait que n'y a pas de problème vrai? Ou pas de sortir entre dans Matéli? Ou pas de être gros, ou pas de dire que vous avez visé ça et conseil n'y a pas faire? Ils ont entendu un gros monsieur quand l'air, puis ils ont tout visé piller nous, et nous-mêmes comme peuple, nous refusons de comprendre que le problème là, c'est nous qui avons. Corruption, c'est nous qui avons subi. Parce que nous-mêmes, nous avons joué. Donc, il est là pour essayer de comprendre, pour mettre tête ensemble, pour nous être vrai problème, vrai cause problème, et me penser, pour nous aider, nous jouer une route là. Amnistie, c'est une route pour nous passer, pour nous vivre côté de l'aller. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, qui étaient à notre radio, Telguin, encore une fois, on a appelé, nous avons avec nous, ancien sénateur élu, département Gadaslan, Guy Philippe, avec lui, on a décanté Jodian. Sénateur Guy Philippe, pour qui ça, Jodian, c'est force révolutionnaire d'entente nationale. Donc, où qu'on est une déconstruction politique qui est le FRN, Front de Construction Nationale, qui était dans le consortium et notamment dans l'élection,
et dans l'élection ensemble et dans la dernière élection 2016. Donc là, moi, je suis là, il y a un peu d'amis qui approchent nous, nous parler et nous, ouais, que faut mettre nous ensemble pour pas seulement et nous avons seulement un parti politique, mais nous avons une plateforme qui est ouverte pour tout le monde, tout parti politique. Depuis mon nom, remet Haïti, depuis mon nom. Moi-même, je ne voulais clair avec tout le monde. Je ne voulais faire aucune bataille idéologique là. Oui, c'est mon gauche ou bien c'est mon droite. L'histoire de la dernière année Haïti a montré que tout le monde qui est de gauche en Haïti, il y a plus volé que droite, il y a plus mal que droite. Ça veut dire que droite, il y a plus gauche que gauche. Donc, c'est droite et gauche tout le monde. Moi-même, je ne voulais pas faire des choses comme ça. Et nous ouvrons pour nous pour tout le monde qui seul, seul qui a demandé remet Haïti. Quoi est dans le rêve de Saline? Quoi est dans le projet Haïti? Et c'est ça qui fait notre plateforme révolutionnaire en tant que national, moi-même, ministre Adair, Nader et mon équipe l'autre, et citoyens, nous mettons ensemble. Et la plateforme est ouverte pour tout le monde. Avec seule condition, remet pays. Quoi est dans le pays? Quoi est dans le rêve? Moi, je vais oser poser une question, sénateur Guy Philippe. Et ou libre ou gain libre choix soit ou répondre ou bien ou pas répondre avec yeux et yeux non n'ap suivre nous tout monter descendre qui gagne yo et t'as semblé ne frein non pas ouais une camarade politique ou yo qui en dedans qui fait partie de consortium Jatel Joseph qui s'est passé. Non, moi-même avec M. Jean-Pierre Joseph, directeur, nous parlons, hier encore nous parlons. Et nos amis, nous parlons comme monde, nous toujours des relations. Mais nous avons deux approches qui sont différentes. Par exemple, DG Jean-Pierre Joseph a une proposition plurielle, côté au point que le cap coup de cassation au pouvoir. Mais nous-mêmes, nous disons non, coup de cassation ne fait pas. Parce que Blab fait, et bien en plus, c'est Ariel Henry qui était nommé illégalement. Il n'y a pas de respecter aucune norme. Donc, nous ne pouvons pas combattre un système pour nous mettre encore. Donc, même ça qui est arrivé en 2004, pour ça va arriver. Donc, nous-mêmes, nous croyons que c'est un changement radical et total qui peut faire. Et ce peuple-là. Donc, il n'y a pas aucune formule constitutionnelle. Nous avons dit oui, pour être plus proche de la Constitution. Pas ça. Ou bien on a la Constitution, ou bien on a la Constitution. Et la Constitution, c'est amendé par où. C'est lui qui décide. Semaine ça, c'est le peuple qui décide pour choisir, pour nous mettre au gouvernement côté peuple. Faites confiance des mondes que peuple. Quoi là-dedans qui vous mène à Haïti côté de supposé mener. Même Jean Blanc, avec CARICOM et Blanc, États-Unis et ambassade là, sont imposés neuf messieurs ça, doit être non. Donc, alors, qui s'agit des États-Unis comme ambassade avec CARICOM pouvoir pour mettre un gouvernement illégal et illégitime et que le peuple haïtien lui-même a choisi, nous n'y voulons. S'agit des autorités ça. C'est lâcheté nous comme petit pays qui fait que grâce à vous pensez comme arrogant, j'ai arrogant. Vous pensez tout le monde derrière. Donc, moi, encore une fois, nous-mêmes, nous croyons que faut que changement en fait total. Et c'est le peuple-là qui peut décider qui est-ce qui a gouverné. Donc, ces différentes approches. Entre le réveil national et nous-mêmes qui n'avons rien. Mais comme nous, nous avons une relation avec nous. Et si ça t'arrivait, dans la bataille qui est là, et puis nous avons une étape passée, transition ça n'a pas réussi, et puis c'est vers la cour de cassation, tout bon vrai, nos branchés. Qui a position frein en ce sens? Donc, si, pas un jeune transition ça qui a réussi. Dans la transition ça, pas de là, pas de place là, pas de monde qui a le pouvoir. Qui est-ce qui a le droit à signer un bagage sur nos Haïti? Côté aux jeunes légitimité ça, ou bien légalité ça, soit disant entre guillemets. Au nom de qui ça a signé sur nos peuples haïtiens, si ce n'est pas arrogance États-Unis d'Amérique, avec l'ambassade de l'IA, et petitesse, les politiques. Il n'y a pas aucune légitimité pour signer un nom. Donc, comment pour une transition qui a tout le bagage ça, côté neuf membres, ils ont chaque fois un intérêt politique, ils ont une bataille avec l'autre. Au premier ministre. Et toujours de difficultés techniques qui empêchent que nous continuions tant de bien, sénateur Guy Philippe, Régis. Voilà. Est-ce que tout le bagage est dans l'ordre? Que nous connaissons l'ordre? Est-ce qu'on peut faire l'élection? Difficulté qui gagne, mais quand même, et n'a pas arrivé
fini avec n'a fait émission quand même pour nous faire connaître besoin rivé. Semaine dernière là, frein t'es dans son gros mobilisation tout côté dans pays. 17 octobre et manifestation sénateur Guy Philippe non conférence que le tibay dans ville Jérémy la caille non particulièrement te dit que l'ap dehors mais elle pas dit côté la pied finalement tu pral ouel dans ville Jérémy et dis-nous non est-ce que mobilisation yo a continuer ou bien après 17 octobre n'a prêté là pendant que n'a parlé là depuis hier c'est planifié n'a planifié l'autre journée mobilisation comment on va le faire pour la police patrouiller monde pour la police suspendre monde et suspendre bay monde qui a manifesté pacifiquement gaz. Donc c'est sous ça, c'est stratégie qu'on a étudié, même bon garanti. Pas bien rien qu'à faire mobilisation en campé, jusqu'à ce que nous venions Haïti que nous voulons. Jusqu'à ce que la révolution prenne pouvoir et pour nous transformer le pays. Nous pas venir là pour une bataille, pour nous remonter et puis pour nous remettre vagabond au pouvoir encore. Nous dehors, pour nous prendre pouvoir et pour nous transformer Haïti. Donc mobilisation a continué. Comment étant donné, nous connaissons qui pourra communauté internationale, particulièrement pays occidental, il y a une décision politique ici en Haïti. Question ça Malbozo là, c'est une question qui est extrêmement importante et notamment que ou décanter tout bon là-dedans pour moun kap suivre nous, yo kap tande comprendre et connaître est-ce que tout mon vrai n'a capable arriver à atteindre objectif là. J'aime de dire yo peser lourd dans balance politique là ici en Haïti. Et position Guy Philippe, son position radicale par rapport à système ça. Est-ce que si et seulement si nous arrivons à faire mobilisation, yo, tout bon vrai, jeune de arriver à faire, Guy Philippe a bien bras politique li, suffisamment avec haïtien conséquent que le souvent parler de yo, par exemple ancien ministre Nader, pour capable arriver tout bon vrai dans suprématie pouvoir. Là. Moi, je pense que Haïtien bay blanc plus importance que blanc. Haïtien, on te met avec la présidente depuis mon petit blanc ambassade de la ville sous lui, il commence à faire. Et blanc dit, mais ça blanc vle, mais ça américain vle, et puis au courant fait. Je me rappelle que je dis, le monde change, le monde a changé. Et le monde pas unipolaire encore. Encore une fois, nous n'avons pas ennemi aucun. Nous n'avons pas ennemi ni américain, ni français, ni russe, ni chinois. Nous-mêmes, nous là pour nous servir intérêt Haïti et intérêt Haïti seulement. Donc, son pays. Vous voulez respecter les peuples haïtiens, ou vous aimez les peuples haïtiens, c'est pour respecter le choix des peuples haïtiens qui vous dirigent. Mais malheureusement, l'ambassade américaine surtout, ils sont tellement arrogants, ils pensent que c'est eux qui connaissent. C'est eux toujours bien connaissent. Les peuples haïtiens disent, c'est Guy Philippe qui voulait pour transition ou bien pour de cassation. L'Américain dit, non, mais ça me fait, c'est neuf membres. Et ils ont imposé, avec aide de la police et avec aide de bonne petite apatride de l'intérieur, ça, ennemi de l'intérieur. Ça. Et ils ont fait. Mais je dis à moi, il faut que vous compreniez. Que blanc, pas tout puissant, ni puissant, mais pas tout puissant. Tout puissant, ça, c'est dans mes peuples haïtiens liés. Le jour où nous voulons faire choix, nous voulons prendre décision, ou bien blanc a collaboré avec nous, ou bien nous chercher l'autre zone. Nous calder à l'autre zone. Nous, si on zone, il va vouloir ouen. D'ailleurs, si on devait ouen, nous t'as sauvé déjà. Nous, bon côté, là. Combien quoi vous avez à bord? 20 millions de dollars, 60 millions de dollars. Mais les abats ukrainiens, ils ont 100 milliards abats ukrainiens, ils ont Israël 50 milliards, et Haïti, après, si tu es qui est à terre, dit Haïti, ils ont 20 millions. Et ouais, puis, bon. Allô? Oui, Naptado, mais t'as vu, Naptado. Donc, moi, dis-nous que nous n'avons pas aucun problème avec aucun blanc. Nous voulons collaborer avec tout le monde qui veut collaborer avec nous. Mais par exemple, les États-Unis d'Amérique ne sont pas capables d'imposer nous. Par exemple, il faut que c'est avec Taïwan que nous négocions, que nous faisons commerce. Si la Chine continue à la bonne plus avantage comme pays, comme peuple, nous sommes États souverains, nous pouvons dire que nous pouvons faire commerce avec la Chine continentale, même dans ces domaines fels, même dans tout pays. Nous sommes le seul pays dans les Caraïbes qui privilégie Taïwan sous la Chine. Bon, dans l'Amérique, là. Même les États-Unis, lui-même, c'est reconnaître son seul Chine. Mais nous-mêmes, ils ont blessé là pour nous rappeler. Comme quoi, c'est Tchoulion. Donc, c'est ça, nous-mêmes, la révolution, nous disons, nous ne pouvons pas prendre. Nous ne pouvons pas arrêter avec nous. Haïti, son État souverain. Il sacrifie ce fait pour nous gagner Haïti.
Nous pas cap dire c'est importer des bagages qui fait États-Unis ou bien République Dominicaine. Le en Haïti nous cap produire tout ça nous besoin. Nous besoin gain autosuffisance alimentaire. Nous besoin bailler peuple nous manger et pour nous faire c'est nous pour faire pour compte nous. C'est terre pour nous faire pour nous irriguer et pour nous faire paysan yo cap planter. Mettez banque et pour nous prêter paysan et l'argent. Faire bureau et agricole communal yo vinn vraiment vrai là absent de communauté yo mettre agronome faire agronome même jamais médecin faire service social agronome qui travaille qui gradué dans l'état que c'est comme nous qui fait au gradué faut que yo vinn service social parce que Haïti paysan yo trois pays yo nous c'est de ça nous vivre donc on va jeter tout n'a pas moyen politique nous n'a pas moyen pour nous soutenir ça là et si mes droites là pas veut aider nous mes gauche là veut aider nous n'a toujours joindre paysan nous qui pour aider nous ça retire la tête nous à fond monde parce que le tout puissant pas gain ça c'est peuple haïtien seulement qui tout puissant là dans réalité politique là après bon Dieu il gagne un gros sujet qui a dominé actualité hier dernière semaine ça yo c'est la question de la déportation massive des haïtiens en République Dominicaine et nous connaît que ou près question ça à cœur. Sénateur Guy Philippe, quelle lecture que ou gagné sur question ça? Bon, encore une fois, je pense que c'est mauvais dirigeant, mauvaise gouvernance. Nous pas gagné moun dans tête l'état. Toutes sortes de gars parler. À dernièrement là, on dit 13 haïtiens moun dans cellule, c'est pas vrai. Il y a plus que 13 haïtiens. C'est plusieurs hélicoptères bagaille cap, même pas là plusieurs monde qui en bas. Il y a plus que ça qui mourit. Mais qui ça l'État haïtien? Tout le monde a parlé de bagailles, mais il y a des mesures de bagailles pour l'État. Par exemple, est-ce que l'État nous lui rappelé l'ambassade, rappelé le consul ou il là pour consultation? Après tout désordre que la République dominicaine a fait avec nous. Est-ce que vous rappelez? Non, il n'y a pas aucune mesure. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères nous a convoqué l'ambassadeur dominicain là à Haïti pour nous parler avec ce problème ça, pour nous dire qu'il faut que le problème ça résoudre? Non, rien. Mais parler dans la radio, bagaille, c'est ça seulement qu'il y a fait et autorité. Mais il n'y a aucune mesure réelle pour faire Dominique qu'on est nous pas dans le jouet. Et ça qui a passé à nous par un mail. Nous, l'autre bagaille, là, bien gardé. Pourquoi ça Dominique a fait fréquent comme ça? Pourquoi ça y a un grand et un grand comme ça? C'est parce que nous-mêmes, depuis les dernières 30 années, nous sommes équipe de petits grands groupes, de petits vicieux qui ont dirigé le pays. Qui ça fait jeune haïtien à ce domaine? C'est pour l'école? Ok. Mais pourquoi ça ne va pas faire université en Haïti? Pourquoi ça ne va pas chercher bourse d'études pendant que nous faisons un programme pendant 4-5 ans, nous voyons des jeunes à l'étudier. Faire au point maîtrise, faire au point doctorat, dans des bagages pour qu'ils puissent servir le pays. Et pendant ce temps, nous faisons bon genre université. Pour jeunes garçons, jeunes femmes, ils ont pays pour étudier. Est-ce que Dominique aussi pour nous faire? Ou bien est-ce que ce n'est pas une volonté politique pour nous faire que les jeunes ont la caillou? Là, nous créer, nous mettre université. République Dominicaine, nous faisons un cadeau, on dit université là, au cap, pour 40-50 millions de dollars. Yo prend comme ça pour faire un cadeau dans bagage Petrocaribe que Chavez baïwa. Bon nous même compte comme banne. Ça ne fait pas nous. Et pendant que yo bonne université ça, yo construit métro, yo font paquet belle bagaille, yo fait capital yo vindel et puis nous même nous là à la gamme. Ça nous fait comme banne. Deuxième friction. Depuis une petite me connaît aujourd'hui, faut que nous construit par exemple route côtière de Mall Saint-Nicolas aux Iwa. Puis ça projet ça nous va mettre sous pied et puis nous mettre des milliers haïtiens. À travailler. Ça, c'est un projet. Nous devons construire bel hôtel. Parce que nous avons une capacité pour recevoir des touristes que nous n'avons jamais exploité. Nous avons autant de kilomètres de plage que la France. Donc, pour qu'il y ait une plus belle plage que trois pays, pour qui ça nous pas faire bel hôtel, mettre stabilité, mettre conditions pour les touristes rentrer dans le pays. Et pour nous faire ça, nous avons besoin de construction, hôtel, infrastructure, paquet de bagailles. Donc, à nous faire un pays, pour Haïti, on pas obligé à faire construction République Dominicaine, pour être là, caillou, et pour vivre avec la famille, petit. Pas aucun n'est qui t'a une humiliation, c'est nous-mêmes, non? Mais, c'est ou bien on prend une humiliation, ou bien on mourit grand goût. C'est nous l'état qui est au bout de l'humiliation. Troisièmement, toi qui Haïti, c'est planté à planter. Oh, Haïti, tout le temps, a dit Haïti, c'est un pays à vocation agricole. Nous créons la production nationale, nous. Et tout ça nous produit, nous devons produire longtemps, qu'il y a cocoyé, et tomate, qui ça, et du riz, tout bagaille, nous importer. L'aide. Tandis que Haïti nous a fait tout ça ici dans Haïti. Pour qu'il ça l'État pas investi dans la production nationale. Surtout bagaille que le peuple nous a besoin pour le manger chaque jour. Ça nous mange chaque jour. Pour qu'il ça importé le Saint-Domingue ou bien États-Unis d'Amérique. Pour qu'il importé presque 1 milliard de dollars chaque année, du riz, États-Unis d'Amérique, le Valais-la-Tibonite,
plein de cas l'autre côté, nous devons faire toute durée que Haïti besoin. Ça qui va dépendre. Donc si nous devons faire, au lieu de paysans, al prendre, rendre ça, humiliation République Dominicaine, nous devons faire tout la caillou, parce que nous devons planter dans la section communale là, petit Dieu, tu devons l'école dans la section communale là, petit Dieu, tu devons côté pour travailler, tu devons l'école là. Petit Dieu, tu devons faire à l'université dans le département là. Mais nous ne voulons pas être payés à rien, nous ne voulons pas occuper à rien, nous chitons à voler, nous chitons à faire ça avec, nous faisons tout, nous voulons la République Dominicaine, c'est nous qui nous forcer à aller. Ni ça qui est Biden, ni ça qui a pris l'humiliation Mexique, Chili, c'est nous qui mettons dehors. Ni pile le diaspora qui est parti à l'États-Unis, peut-être Canada, qui offre 50, 10 ans, pour qu'on donne la caillou, nous mettons dehors net, parce que nous n'avons pas créé conditions pour retourner la caillou. Donc le problème c'est nous maintenant, moi-même parce que, encore une fois, c'est une mauvaise gouvernance, c'est corruption généralisée, et c'est nous-mêmes sociétés qui parlent de frapper bien pour nous dire que l'État ici prend responsabilité. Donc quand nous avons un gouvernement sérieux, après le problème ça ne va pas poser. Que sénateur Guy Philippe, ce n'est pas l'occasion que nous gagnons tout pour nous et remanier le système diplomatique dont ici en Haïti. Moi-même, pense que la diplomatie n'est pas bonne. Nous ne pas en Haïti. Et d'ailleurs, soit le consulat haïtien, le plus souvent, bon, monsieur, il a dit quoi, mais mal le consulat haïtien, tout le bagage, c'est de l'autre pays qui est sorti. Même ça, il y a une réclame à faire pour Punta Cana, pour l'autre côté, pour Acapulco. Nous ne pas en Haïti. Diplomate, nous allons aller, le plus souvent, nous mettons, c'est pas amitié, c'est ménage en sénateur, ménage en député, il y a un rapport avec le ministre des Affaires étrangères ou bien avec le président. Nous avons un véritable problème de communication, en question signal internet, vraiment, ça et à chaque instant, mettez-nous dans la difficulté. Est-ce que tout le bagage est rentré dans l'ordre, Régis? Tout le bagage en forme pour nous capables de continuer avec le sénateur Guy Philippe, avec Nabdé Kanté Jodian, qui certainement gagne de paroles pour qu'il soit capable de parler avec les populations, avec les communautés, pour nous capables de comprendre. Dans quel sens que chaque fois qu'on parle de révolution, pour le montrer, non, c'est nous-mêmes qui prenons la responsabilité dans ce sens. T'as pas avancé? Allô? Sénateur, nous avons avancé, oui, parce qu'à chaque instant, nous avons une petite coupure, mais ça n'a pas empêché que nous continuions. Je veux que nous avons dit tout à l'heure, nous avons parlé de diplomatie, un changement qui a été fait, nous avons expliqué que la diplomatie a un gros problème et par rapport avec ça, ou même, au fait comme expérience. Soit regarder dans toute ambassade ou consulat, trois camions, c'est faveur, c'est amitié, on député que tu es en président de service, les médias et consul. On ménage un sénateur, on ménage un député, on ménage un chef, yo mette l'ambassadeur Alfonticob al brasser. Mais nèg yo pa un plan vrai pour aller en Haïti, chercher bon gens pour études et pour jeunes nous. Pour yo ka retourner dans pays yo, vini et des pays yo sorti dans misère là.